Bonjour à toutes et à tous, c'est Phoenix. On se retrouve pour l'épisode suivant sur House Flipper. On va attendre un tout petit peu que ça charge tranquillement. Et on va se retrouver in-game, bien entendu, comme d'habitude. Hop. Alors, donc au menu d'aujourd'hui, on va aller voir un petit peu ce qu'on a comme contrat du coup. Ce qu'on nous propose. Alors, hop, on a trois emails. Alors, je m'adresse à vous pour vous demander de bien vouloir rajouter un mur dans notre maison. Ma fille a déjà 3 ans et je pense que c'est le moment qu'elle ait sa propre chambre. Merci de bien vouloir séparer la chambre en deux pièces. Les pièces doivent avoir une porte qui donne sur le couloir. Mettre un lit neuf dans la chambre de ma fille et revendre son lit d'enfant. Bah écoutez, on va faire ça. On va tenter le coup. On va voir, sachant que là normalement on a la minimap, donc normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis. Alors, du coup, on va aller voir un petit peu. Alors là, les objectifs, on a un équipement déjà à monter ici. Alors, on va voir ce que ça va être. Il est où? C'est par là. Alors, hop. Je me demande si c'est pas... Alors, attendez. Hop, on va voir. Voilà, c'était ça. Hop, j'ai bien fait de regarder. Donc là, on a une prise à réparer. On va commencer par ça. Et heureusement qu'ils nous ont mis un radar par pièce parce que sinon on n'avait pas fini de chercher où ça se trouvait. Alors, hop. Hop. Et voilà, déjà la première tâche va être finie. On va reposer le canapé là où il était initialement. Hop. Alors, ils ont refait une mise à jour récemment, là le 1er juin du jeu. Malheureusement pour moi, j'ai toujours pas la possibilité de faire les réglages de clavier. Alors là, c'est un petit peu pénible par contre leur truc. Alors, hop, on va être obligé de bouger tout ça. Hop. On va voir si ça passe. On va le mettre comme ça. Hein. Tant pis, dans le pire des cas, ils se débrouilleront après. Hein. Là, moi, je suis venu pour faire des travaux. Je suis pas venu pour faire de l'aménagement intérieur pour le moment. Alors, donc, les pièces qui vont nous intéresser vont être ici. Donc là, déjà, il y a toute cette cloison-là à virer. Alors, on va prendre l'outil marteau. Et on va commencer à faire de la destruction. Ne vous inquiétez pas si ça fait bugger, c'est normal. La destruction ne ressemble pas à grand chose. Là, ce bout de mur là, il est bon. Voilà. Hop, donc là on est en train d'agrandir les murs de la chambre. De la petite chambre en tout cas. Il y a un coin de mur d'ailleurs qu'il va falloir à tout prix que je refasse du coup. On le voit d'ici. Il va falloir que je la batte. Aïe. Et voilà, normalement.
Ok, donc là il m'en reste encore. Voilà. Donc là le mur est fini. Alors logiquement entièrement fini, mais non il reste encore des morceaux. On va finir ça. Allez. Ah, là c'est la première fois que ça me fait ça. C'est un bug. Bon bah là ça a l'air d'être bon. Alors du coup, bah on va se servir de la marque rouge qu'ils ont fait au mur. Hein. Ça me paraît pas mal. Donc du coup on va aller monter un mur. Alors en espérant que... Donc là ça va être extrêmement long étant donné que c'est la première fois que je le fais. Alors par contre je viens de me rendre compte que j'avais pas placé là où il fallait. C'était là qu'il le voulait. Bon écoutez c'est pas trop grave, on va faire ça. Et on va espérer que le deuxième coup ça soit bon. Allez, hop. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Donc là, ça serait bien que ça se détruise. Allez, on est parti. Et là, on est bien sur la ligne verte, donc ça correspond bien à ce qu'ils nous ont demandé. Alors là, il va être temps, j'espère qu'on va avoir rapidement des points d'amélioration, qu'on puisse construire rapidement les murs. Pour être tranquille. Hop. D'ailleurs, j'allais voir parce qu'il me semble tout à l'heure qu'on avait des points à rajouter. Alors, construction. Le mur construit est aussitôt peint, ça, ça peut être intéressant. On va faire ça en premier. Vu qu'il nous reste encore des pans de mur à monter, de toute manière, je pense que... Voilà, c'est déjà nettement plus rapide. Alors, hop, on va commencer par faire ce bout-là. Là au niveau des meubles, ils m'ont rien demandé de particulier, donc je vais juste m'occuper. Voilà. Donc là, je vais reprendre l'outil main. Ici, donc du coup, on avait la porte qui donnait directement sur le salon. Donc là, on est bon. Ici, on nous a demandé de revendre ceci. Donc, ce que je vais faire là maintenant. Elle, la commode. Alors, hop. On va faire ça le mieux possible. Alors ça c'est nul par contre. Parce qu'après tout ils étaient dessus, ils auraient pu rester sur la commode. Ça m'aurait évité d'avoir tout à refaire. Donc là on s'est dégagé suffisamment de place pour pouvoir acheter le lit de bébé, donc c'est pas plus mal. Hop, donc là c'est un lit à grille qu'il nous faut. On va acheter ça de suite, comme ça on va pouvoir passer à autre chose. Alors, on va dans notre menu tablette et on va aller au magasin. Donc, lit, on a dit lit grille. Ça n'a rien à voir avec un lit avec des barreaux ou quoi que ce soit. C'est un lit tout simple. Alors, là, est-ce que je vais pouvoir le passer ? Voilà, donc ça à la limite on va la dégager un petit peu, on va la mettre ici, on va faire un tout petit peu de réaménagement,
Voilà. Et ça, on va le mettre ici. Alors, donc là, on est OK. Alors, ça va être la chambre à côté, je suppose, où il va y avoir quelque chose à faire. On va voir ça. Monter les meubles. Monter les meubles. Alors, c'est là où il manque un truc. Une toute petite prise. Alors, du coup, l'appellation pour la tâche, elle est super mal faite, je trouve. Parce qu'ils appellent ça monter les prises, enfin monter les meubles, ça a rien à voir en fait. Parce que là on fait pas du montage, hein, on fait des réparations électriques, qui plus est. Hop. Après pour ceux qui connaissent les jeux Playway, il y en a un notamment qui est fait... c'est Car Mechanics, où vous allez faire du dépannage, mais en fait au niveau des actions... là dans celui-là, dans House Sleeper, c'est quasiment la même chose au final. Il n'y a pas de grand changement au niveau des actions quoi. Ça reste très simple à faire. Vous faites quand même pas mal de petites choses, hein. Vous avez pas mal de petites tâches qui sont prévues. Mais ça reste très simple à jouer en fait. Là vous posez le cerveau, vous vous dites bah voilà j'ai une demi-heure à tuer. Vous vous mettez sur le jeu. Voilà. Vous n'avez pas besoin de réfléchir plus que ça. Vous faites les tâches qui vous sont demandées. Et puis le but hein, de toute manière, c'est de pouvoir avoir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter une maison à rénover. Voilà. Là moi je voulais au tout début je voulais rénover mon bureau et tout, et je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas faire ce que je voulais, je peux pas racheter de carrelage, je peux pas faire tout ça. Donc du coup bah en fait je pense que je vais voir pour acheter une maison, la rénover et en faire mon nouveau bureau. Mais après faut voir. Faut voir comment c'est proposé dans le jeu. Alors, préparer l'accueil d'un nouveau membre de la famille. Qu'est-ce que c'est ça? Ma belle-femme est enfin enceinte et nous sommes débordés comme jamais, mais aussi très heureux. Je ne sais même plus par quoi commencer. Il y a tellement de choses qu'il faudrait faire avant la venue au monde de ma petite princesse. On est déjà sûr que c'est une fille. On a acheté une petite maison très jolie pour nous trois. Malheureusement, il faut nettoyer de fond en comble et préparer une chambre d'enfant. Je compte sur vous. Pour occuper un mettre en ordre et préparer une chambre d'enfant, d'acheter un lit, une table allongée et peut-être quelques jouets. Je me remets à toi et n'oublie pas de repeindre les murs de la chambre de notre princesse en rose clair. Merci d'avance pour ton aide. Alors, celle-là, il me semble que je l'avais déjà faite et elle est assez intéressante. Vous allez voir le bordel qu'il y a dans la maison. Et le mot est faible, c'est pour ça que j'emploie ce terme-là. Et là, c'est vraiment un carnage. Alors... Hop, déjà on va nettoyer ça. Je vais sortir mon petit balai. Là la première pièce, vous allez voir, ça va. En soi c'est pas dramatique. Mais après c'est toutes les pièces, c'est comme ça, il y a des déchets de partout. C'est une calamité cette maison. Donc là les passages de porte, ok. Ici, il me reste encore un bout de mur. Alors, où est-ce qu'il est, lui? Alors là, c'est ça, c'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est que c'est pénible. Sur le radar, on voit pas forcément très très bien les choses. Donc c'est un petit peu pénible. Là, normalement, voilà, je suis à 90, il m'en manque encore des tâches. Alors il y en a qui sont très évidentes, il y en a d'autres qu'on voit pas du tout. Alors... Bon, moi la dernière fois je l'avais pas fini complètement en fait le chantier, mais bon c'est pas grave. Alors du coup... Donc ça sera la future chambre de bébé. Donc on va commencer par faire un bon coup de propre déjà. Avant quoi que ce soit d'autre. Hop, donc l'armoire, on va la dégager ici. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir accéder partout. On va commencer par le nettoyage des vitres.
Hop, voilà. Nettoyage des vitres. De ce côté-là, c'est fait. Alors là, je sais pas comment vous le décrire en fait, parce que là, c'est à la souris qu'on le fait. Mais le truc à vapeur, en fait, il fait un peu sa life, j'ai l'impression. Et là, d'ailleurs, il en manque. Alors, où est-ce que j'ai pas lavé? Voilà, là c'est bon. Les deux fenêtres sont faites. Ok. Alors là, on va faire toute la poussière. Enfin, la poussière. Tout nettoyer, du moins. Les taches de gras, les taches de je sais pas quoi. Il y a même des taches de peinture, je suis sûr. Mais ça va, on a un balai magique qui est capable de tout laver, même les trucs qui sont incrustés dans le parquet. Hop, là on est à 58%, donc il en reste quand même un bon paquet à nettoyer encore. Là ça a l'air d'être bon. Non, il manque encore un truc là. Voilà. Là-dessus ça a l'air d'être bon. Là il me restait ça à faire. Il reste une salissure là. Voilà. On va faire déjà tout ce qui est connu au radar. Là on est à 77. Je sais qu'il y en a. Il y a une tâche aussi sur l'armoire de mémoire. Voilà. Là on est à 90. L'armoire elle est dégueulasse aussi. 96. Et là ça va être la chasse à la dernière marque. Alors je sais que j'avais réussi à la trouver la dernière fois, mais il n'y a rien d'évident dans le jeu. Hein. C'est tant que vous n'avez pas toutes les capacités pour le nettoyage, c'est un petit peu délicat. Là, elle était ici. Et voilà. Ok, donc là, on a fini. Pour la partie qui nous intéressait initialement, là on va aller acheter de la peinture. Donc on avait dit rose pastel, si ma mémoire est bonne, rose pastel. Pardon. Allez, on est parti. Rose pastel. Tac. On achète ça. Alors là, logiquement, je pense qu'il va me falloir plus qu'un pot. Flûte. Je me suis trompé. Alors là c'est très long à faire. Là j'ai un avantage, c'est que déjà j'ai une option qui a été débloquée, c'est à dire que je peux pas aller plus loin sur un pan de mur en fait. Je peux pas mettre plus que la couche nécessaire pour la peinture. Donc déjà je gagne du temps. Parce qu'au début vous pouvez pas le faire ça. Alors ça fait partie des tâches les plus pénibles à faire dans le jeu. Tant que vous n'avez pas amélioré votre compétence en peinture. Parce que c'est très long à faire en fait. J'ai pas encore fait de papier peint, j'ai fait du carrelage. Enfin, j'avais fait du carrelage. Du carrelage. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je crois que c'est tout. Parce que parquet, il me semble pas en avoir posé. Mais ouais, ça fait partie des tâches les plus longues à faire dans le jeu. Et c'est une des tâches qui va revenir le plus souvent, on va dire. Parce que tout ce qui est détritus et tout, c'est dans les premiers contrats, j'en ai eu énormément à faire. Et après, plus tant que ça en fait. Bon là, on va voir de toute manière l'orientation. Bah, on va faire, vu qu'on n'a pas de prix sur, il ne donne pas de prix sur ce qu'on a à faire. C'est au fur et à mesure qu'on fait les travaux qu'on voit le coût que ça va nous rapporter. Mais là, en fait, plus on va avoir de tâches. Sur les contrats à accomplir, plus on va être payé. Donc ça nous permet de savoir à peu près où on va. Là on a pas mal de petites tâches à faire, on a pas mal de nettoyage aussi. Donc on peut se dire on va gagner relativement bien. Là vous avez vu, j'ai pas mis encore les meubles, on est déjà à 1600 pour le moment. Sachant que j'ai payé que 16$ de pot de peinture. Donc, ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée. Bon là ce qui a coûté le plus cher en fait, ça va être l'ameublement. Et de toute manière on est remboursé alors voilà, donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, du coup
on va racheter un pot de peinture. Voilà, on va reprendre notre pinceau. Et voilà. On est reparti à l'attaque de nos murs. Bon, et puis le jeu pour ce prix là, pour 16 €, bah en fait c'est, alors je vais pas vous dire c'est une dépense utile, faut se hyper, faut l'acheter et tout direct, c'est pas ça que je vais vous dire. Le jeu en lui-même, il est très reposant, vous avez pas d'objectif bien précis, enfin voilà, c'est pas la course à l'échalote en fait, vous prenez votre temps, vous faites ce que vous voulez quand vous le voulez. Et dire que vous pouvez faire de l'architecture d'intérieur, je pense que c'est un bien grand mot, hein, parce que ça reste quand même succinct. Bon là après on n'a pas eu beaucoup de tâches d'aménagement ou autre. Mais c'est pas l'objectif, vous n'allez pas être payé plus parce que vous allez poser le meuble. Enfin ça fait une pièce design quoi. C'est pas comme ça qu'il faut le voir en tout cas. C'est vraiment axé plus principalement sur la rénovation. Et voilà quoi, faut pas aller chercher plus loin. Alors du coup, on va se reposer notre armoire. Alors, je vais essayer de la recaler là où il faut. Voilà. Alors, on nous avait demandé donc de placer un lit d'enfant. Alors, on va aller l'acheter. Alors, forcément, je suis en majuscule. Alors, hop. On s'en fout de la couleur, de toute façon ils nous ont rien demandé, donc ça va être de cette couleur là. Hop. On va essayer de le poser le mieux qu'on peut. Ah, c'est moi ou il est tordu là? Non, il a l'air d'être bien. Alors, des étagères cales. Voilà. Pour ceux qui connaissent Ikea, je ne fais pas de placement de produits, attention. Ça va peut-être vous rappeler certains meubles. Parce que les meubles cales. Voilà, un aménagement comme ça, c'est connu. Alors, après, ils nous ont dit quoi? Un meuble allongé. Hop. On va le mettre ici. Voilà. Alors, il nous faut deux poufs. Deux poufs. On va les mettre là-bas. Alors, hop. Et je pense que le deuxième, on va le mettre à côté aussi. Le mettre là, faire un petit salon. Voilà, donc la chambre, pour la chambre on a fini. Donc là maintenant on va aller s'attaquer au restant de la maison, parce qu'il nous reste quand même pas mal de petites choses à faire. Donc là on évite les cafards je crois dans cette maison là, on les a pas, ce qui est plutôt pas mal, parce que les cafards aussi c'est pareil, c'est des spécimens rares à combattre, j'ai eu du mal la dernière fois à les éradiquer, mais bon après bon c'est un coup de main à prendre en fait hein, quand on sait pas comment le faire. Alors hop, là on est bon, le seuil de fenêtre c'est pareil, il est taché, je vais m'occuper de suite. Alors hop, de la vitre, comme ça ça sera fait. En fait je vais faire toute le bout de la pièce dans l'ordre dans lequel je prends la pièce, comme ça au moins on avance tranquillement et sereinement. Voilà, hop. Désolé si j'ai des petits à-coups avec avec la souris quand je quitte une action en fait, parce que faut recaler la caméra et il y a des moments où ça part un petit peu en cacahuète. Quand je termine une action, ce que je me fais surprendre aussi. Voilà. Hop. Donc là, on va faire un petit coup de balai. Voilà. Ah, le jour où je pourrais tout nettoyer avec un balai, ça serait le top quand même. On gagne énormément de temps. Hein. On peut faire toutes les surfaces en plus. C'est génial.
Alors, hop. Hop. Alors, est-ce qu'il y avait des taches derrière le canapé? Est-ce qu'ils ont été aussi tordus que ça? Là, ça a l'air d'être bon. Ok. On est bon pour tout ce qui est taches. Donc maintenant, on se fait les vitres. Voilà. Alors, cet outil-là pour arriver à faire un truc potable. Voilà. On est bon. On fait la deuxième. Et on aura fini pour cette pièce-là, normalement. Hop. Hop, allez, on attaque. On va faire la dernière, les dernières pièces du moins, parce qu'il en reste encore deux. Hop. Là, je pense qu'on est bon. On est bon. Allez, on est au tout. Ils ont vraiment acheté une maison. Alors, je sais pas si c'est eux qui ont fait les dégâts, mais si c'est eux, franchement, ça fait pitié, quoi. Pitié. Et dire qu'ils vont élever un enfant derrière, au secours, quoi. Au secours, au secours. Hop. Alors. Hop. On va faire un petit coup de E. Voilà. À mon avis, ils ont juste acheté la maison en l'état et ils ont pas le courage de faire la propreté dedans. Hop. Voilà, là on est bon. J'ai fait toutes les tâches, donc du coup il va nous leur rester la salle de bain à faire. Et on sera pas mal. Hop. Hop. On est bien. Là, il reste encore quelques tâches. Ça, c'est des tâches de carrelage, donc ça va. Là, il me reste encore de la moisissure ici. C'est logique, on va dire, ça allait avec le reste. Hein. Là, il me reste de la salissure. Alors, la salissure, elle va être où? Ah, là, il y en a, ok. Et là, alors, ici, ça va être où? Ça va être derrière le truc? Non, c'est bon. Et on va nettoyer la vitre. Vous avez vu, en plus, on peut faire les Yamakasi, on peut se déplacer sur tous les meubles. Hop. Hop. Ah, il nous manque une tâche. Donc ça veut dire que j'ai oublié un truc. Bah oui, c'est la fameuse d'ici. Qu'on n'a pas réussi à trouver tout à l'heure. Alors, je vais regarder quand même. Sait-on jamais? Peut-être que j'ai le droit à une amélioration. Oui, la démolition d'ailleurs, ça peut être pas mal ça. Je vais faire démolition plus rapide. Ranger, on n'a pas. Et négociation. Donc là, on avait fait le salaire plus élevé. On va faire ça. Voilà. Ça nous rapporter des points en plus. Alors du coup ici je crois que ça va être mort hein. Pas se mentir. Tant pis, on va finir le contrat là-dessus. On est à 5000 de bénéfices, ça serait très bien. Voilà pour ce contrat, ce contrat-ci. On va se faire un petit dernier contrat et on finira notre épisode là-dessus. On va continuer à engranger un petit peu pour cet épisode-là et puis on commencera. J'ai envie de me faire quand même une petite rénovation de bureau, donc l'épisode suivant sera un peu plus court, mais on se fera une rénovation.
de notre premier bureau avant d'attaquer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ces derniers temps Parce que mon voisin et mes voisins ont démoli plusieurs murs dans leur maison. Le mieux, c'est de supprimer les murs qui séparent le salon et de la cuisine et du couloir. En plus, dernièrement, ma voisine d'en face a peint les murs de sa chambre en bleu clair. Et moi aussi, je voudrais bien... Ça, c'est encore en suiveur, ça, ce mec-là. Je suis convaincu qu'une entreprise aussi professionnelle que la vôtre... Celle-là, on va se la garder sous le coude. Ça nous fera peut-être l'objet d'un épisode complet, d'ailleurs. Alors... Je suis une personne âgée, j'ai loué un appartement. Malheureusement, cette année, ça s'est très mal passé. Il paye pas. Alors, je crois qu'ils sont barrés avec le radiateur. Ouais, c'est ça. Et ben, on va se faire cette dernière mission là. Et après, on va. Du coup, on attaquera les rénovations de notre petit bureau. Pour, sur l'épisode suivant, du coup. Alors, là, préparez-vous. Vous allez voir pour la première fois dans le jeu des cafards tout à l'heure. Je vous préviendrai quand ce sera le cas. Alors là, les bouteilles, au lieu de faire un lot complet, on est obligé de se les taper une par une, malheureusement. Voilà. Alors, on va la faire comme ça. Hop. Alors, aussi, autre indicateur pour les gens qui auraient, qui voudraient investir dans le jeu ou autre. Moi, je peux donner quelques petits trucs déjà. À savoir que tous les objets que vous devez mettre à la poubelle... Vous n'avez pas l'option. En gros, c'est juste un clic sur l'objet et ça le fait disparaître. Si vous tombez sur des objets où c'est marqué maintenir pour ramasser, ça veut dire que ceux-là, en fait, ils sont prévus pour rester dans la maison. Donc vous n'amusez pas à les revendre. Ça va vous faire perdre de l'argent, en fait. Voilà, c'était la petite information du jour. Mais c'est bon à savoir quand vous commencez en fait dans les premières missions vous avez des piles de pneus à ramasser, des trucs comme ça. Et c'est vrai que la première fois vous vous posez des questions de savoir quel pneu vous devez revendre, quel pneu vous devez garder, etc. etc. Alors là normalement au niveau des traces de moisissure, ouais il me restait là-haut. Donc on va finir ça. Voilà, on a fini. Ici. Alors, on va s'acheter le radiateur qui va bien. Voilà. Alors, radiateur. Donc c'est celui-là, c'est le modèle à 37. Hop, on le pose. Clic long sur les parties comme tout à l'heure. Hop. Pour finir la pose, il faut l'ouvrir. Donc là, on l'ouvre. Ici, il nous manque plus que le nettoyage de la vitre. Bah, c'est pas mal quand même ça, les locataires qui se barrent avec, avec les radiateurs pour les revendre au prix de la ferraille quoi. Vraiment avoir rien dans la tête pour faire ça quand même. Hein. Mais bon, ça serait tellement vrai en plus. Alors ici, on a... Je sais plus si c'est pas celle-là qu'il faut que je repeigne. Ouais c'est ça, celle-là il faut la repeindre en blanc. Que ça fout le bourdon comme pièce. Ça fout vraiment le bourdon. Puis vu comment ils l'ont tagué en plus. Hop, on est pas mal. On passe un coup de balai. Là normalement on est pas mal. On va nettoyer les rebords de fenêtre. On se fait les vitres. Après on passe le coup de peinture. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a encore des traces de doigts ici. Normalement on est bon pour le nettoyage. Vous allez voir, c'est vrai que le coup de peinture blanc, en fait, ça va faire énormément de bien à la pièce. Hein. C'est parce que là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Là, ils ont voulu faire une crypte ou je sais pas quoi. Bref. Hop. On va poser notre radiateur. On l'installe. On fait tout pareil que tout à l'heure. Hop,
Alors pour la peinture, ce que je vais faire pour la première fois, je vais commencer. On va pas se faire de time-lapse. Je vais couper la scène et on va se retrouver nous à la fin de. À la fin de la peinture. Voilà. Allez, à de suite. Allez, voilà, on se retrouve. La pièce, du coup, elle est finie de peindre. Donc, on va passer à la suite. On va juste revendre le pot de peinture, du coup. Si je peux le faire. Et là, visiblement, c'est pas le cas. Donc, tant pis. On va le laisser ici. Allez. Du coup, voilà, ce petit meuble-là, on va faire quand même un petit truc. Hop. Même si j'ai pas. Même si c'était pas dit, mais bon. On va se le recaler bien proprement. Voilà. Hop. Allez, on continue. Donc là, on va attaquer les endroits les plus dégueulasses. Voilà. Allez. Hop. On va faire, du coup, en premier lieu, la salle de bain. Donc là, c'est pareil, on va avoir aussi un radiateur à refixer. Je crois qu'il y a un évier aussi à refixer. Donc finalement, ce petit contrat-là, il intervient au très bon moment parce que vous allez pouvoir voir justement d'autres objets à poser dans la maison. Là, j'ai pas fini de nettoyer les salissures, effectivement. Ils ont resté au plafond. Et alors, où est-ce qu'elles vont être les autres? Voilà, c'est bon, il en restait une dans la baignoire. Donc là ici, le but c'est d'acheter un porte-serviette du coup. Donc c'est pareil, ça va être dans les radiateurs. Voilà. Hop, on va l'installer. Donc là il y a un petit peu plus de pièces à mettre. Les bouchons. Serrer ça. Hop. Bien là, ma foi, on est pas mal. Voilà. Là, ici, il va falloir que l'on achète un évier de mémoire. Qui sont partis avec l'évier. Alors, du coup, un évier. Voilà. Donc là, celui-là, je sais plus si je vous l'avais montré, du coup, l'évier. Voilà, j'ai ça à serrer. Hop, les petits papillons. Hop. Là, comme ça paraît tout simple à monter, hein. Dans la réalité, c'est pas souvent le cas. Hop. Voilà. Hop, maintenant on s'attaque à l'évacuation. Voilà. Et voilà, on a fini pour cette pièce-là. Allez, on continue. On va faire le couloir maintenant. Avant d'attaquer le nid à cafards. Donc là, cette pièce-là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est que de la salissure au sol et au mur, je crois, de mémoire. Alors, hop. Hop, je me suis trompé. Alors, ici, on a un peu sur le plafond aussi. Là, on est qu'à 52. Alors. Seul inconvénient, c'est que du coup, tout est sombre. Donc, pour voir quelque chose, c'est un peu compliqué. Là, il n'y en avait pas ici. Donc j'ai visé bien là où il fallait. On va regarder. Là, je vois qu'il y a encore une tache ici. Alors, où est-ce qu'elle va être celle-là? Elle est ici. Là, on est à 88. 94.
Est-ce que là il y en aurait encore? C'est vrai que c'est un petit peu pénible d'aller retrouver les tâches, mais. Parce que là, du coup, j'ai plus d'idée. Alors, à moins que ça se sorte la porte. Et bah voilà, elle était là. Allez, on attaque le plus lourd là. Alors, hop, hop. Alors, on va sortir l'aspirateur. Méthode efficace, contrôle les cafards, l'aspirateur. Puis là, il y en a un paquet en plus, hein. Voilà, on a éliminé un premier nid à cafards, mais il en reste encore, malheureusement. Voilà. Alors là, du coup, on va continuer, on va faire ça. Ça va me permettre de pouvoir récupérer. Hop. Alors là, ceux-là, je sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais bon. Je peux rien en faire. Là, il en reste. Rien que d'imaginer le jour où t'as vidé le sac le sac de l'aspirateur, horrible quoi. Une nuée de cafards dedans, au secours. Hop, hop. Hop. C'est sûr que les soirées étudiantes, ils ont dû en faire quelques-unes quand même. Hein. Quand on voit le nombre de cadavres de bouteilles qu'il peut y avoir. Hop. Donc là il reste toujours les indestructibles. C'est pour ça que je fais d'abord tous les déchets et après comme ça je vais pouvoir m'occuper des cafards. Un peu plus sérieusement. Voilà, hop, 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 voilà. Maintenant, à l'attaque. Là, bizarrement, ça marche bien mieux. Voilà, hop. Là, celui-là c'est fait. Et là, eux, ils sont encore là, quoi. Voilà, plus de cafards normalement. Allez, maintenant, on s'attaque au plus gros. Donc tout nettoyer. Alors, normalement, avec tout ce que j'ai eu là comme chose à faire au niveau de nettoyage, j'espère que je vais pouvoir récupérer encore des points là pour pouvoir avancer. Parce que là on nettoie mais on nettoie pas rapidement encore. Hop. Alors forcément la chose que je voulais pas. Ah oui si c'est ça en fait. Ils ont été jusqu'à mettre des bouteilles sur le frigo, histoire que ça soit bien drôle. Ça tombe bien parce que en plus j'avais de la salissure enlevée là-haut. Voilà. Hop. 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 Là ça va vite parce que c'est des salissures qui sont pas trop rentrées donc ça va. Alors là est-ce que. Non, j'ai rien de particulier à faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Monter les équipements. Donc ça, c'est
Alors, il me reste des sales tiers par contre. Effectivement. Et il en reste encore. 98. Il me dit. Là. Ici, il en reste. Effectivement. Ok, allez, on s'occupe de ça. Hop. Alors, on achète le radiateur qui va bien. Bon, là, vous avez vu, hein, pour ce cas de maison-là, c'est pour ça que je voulais vous montrer un contrat comme ça. C'est tout de même assez rébarbatif au niveau du contrat, puisqu'on fait à peu près les mêmes choses tout le temps. On a fait du nettoyage de carreaux, on a monté. Bon, là, c'est parce que la mission le veut, hein. Les missions les plus sympas, on les avait faites au début, où il y avait à casser certaines choses. Donc là, cette pièce-là, on l'a fini. On va faire quand même un minimum. Hop. Hop. Ouais, on a cassé des murs, etc. Ça, c'était sympa à faire. Il y en a un petit contrat. J'espère que je pourrais vous le montrer aussi. C'est, il y a une salle de bain à créer complètement. Donc évier, douche, carrelage, etc., etc. Qui est assez sympa du coup. Hop. Alors j'ai un nouveau point de disponible du coup. Et ça c'est très bien. J'ai même deux points d'ailleurs. Donc on va faire ça. Et on va se faire ceci. Alors on va regarder s'il n'y en a pas d'autre chose d'ailleurs. Négociation. Donc là on va négocier des prix un peu plus intéressants. La construction et homme à tout faire, j'ai rien. Ok. Hop, au moins on aura eu le mérite d'augmenter largement nos stats pour cet épisode. Quand je dis largement, ouais, ça, on a dû avoir 3 points sur l'ensemble de la vidéo, mais ça nous permet quand même de pouvoir améliorer notre rendement, surtout au niveau du nettoyage, etc. Parce que ces petits contrats-là, mine de rien, ils rapportent quand même pas mal, parce que là, on est déjà à 3000. On n'a pas tout à fait fini, mais voilà, ça nous fait quand même une petite marge. Là, le but c'est de faire des économies. On va peut-être. Alors, soit on fait le bureau, on verra en fait au début de la prochaine vidéo. Soit on se fera l'aménagement de notre bureau. Soit on partira sur une maison à rénover totalement. Un contrat. Quitte à faire. Pardon, un contrat. Un achat de maison à faire. Quitte à faire des contrats pour pouvoir financer les travaux de rénovation à côté. Parce que je suis pas sûr qu'on puisse tout faire comme ça en fait. On verra, hein. Ça va dépendre des prix parce que si on achète déjà la maison de 30 000, il va pas nous rester grand chose. Alors donc là on avait dit. Ah 90, il nous en manque encore des salissures. Ah oui, il y a tout le meuble, effectivement. Ça, je l'avais pas vu. Et là, on a fini. Ok. Alors, on va s'acheter le dernier radiateur qu'il y a à faire. Normalement. Hop, radiateur. C'est magnifique, c'est qu'on passe à travers les objets aussi. Voilà. Hop, et il nous manque du coup une dernière, enfin deux autres pièces à faire. C'est vrai que je les avais oubliées. Hop, on va essayer de se la faire rapidement celle-là. Ce qui est bien, c'est que déjà il n'y a pas de peinture à refaire là ici. C'était vraiment une pièce qui était comme ça. Alors, je sais pas si c'est le. J'ai l'impression que c'est le carrelage. Ça a l'air d'être le carrelage. Ah, tant mieux. Hop. Là, il y avait quand même pas mal de traces de moisissures. Je sais pas ce qu'ils sont amusés à mettre. Ils ont dû projeter de la peinture, je sais pas. Je sais pas trop, c'est bizarre.
Voilà, et là il nous reste apparemment une trace aussi ici. Voilà, on est pas mal. Hop. On est pas mal du tout. Alors ça va peut-être, ça va faire un épisode assez long. Ce coup-ci, on veillera à raccourcir pour le prochain épisode. Là, je voulais vous faire profiter un petit peu. Il y avait plusieurs petits chantiers qu'on a pu réaliser aujourd'hui. Donc, c'est tout de même l'intérêt de pouvoir avancer, de pouvoir se faire un bon épisode là-dessus. Alors, hop. Ici, je crois que c'est une machine à laver qu'on va avoir à faire. J'ai dit quoi? Lave-linge? Lave-linge. Hop, on installe ça. Ça c'est le truc pour éviter que le tambour il tourne. Le capot de transport. Voilà. Les vis qui le maintiennent. Je crois que c'est un des équipements électroménagers qui est le plus long à mettre en place, accessoirement. Dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, hein, je précise, parce que il y en aura peut-être d'autres. Pour le moment, j'ai pas eu à poser de cuisine ou quoi que ce soit d'autre, donc je peux pas vous dire plus, mais c'est un des plus longs que j'ai eu à faire. Il reste de la salissure ici. Effectivement. Et voilà. Allez, on n'a plus qu'une pièce à faire. Et après, c'est fini. Hop. Bon, une fois, j'ai tout nettoyé d'abord. Vu que j'ai le balai en main. Allez. Hop, on attaque tout ça. Alors, ce qui est pénible aussi, c'est les bouteilles du coup, puisque c'est à l'unité, forcément, sinon c'est pas drôle. Hop. Ok, là on a le bout de mur. Ici on est pas mal. On a les rebords de fenêtre encore à faire. Est-ce que j'ai de la salissure au mur? Non. J'ai peut-être les meubles qui sont un peu pourris aussi. On va voir. Là, visiblement ça a l'air d'être bon. Donc c'est ici où il nous reste de la salissure. Hop, deux fenêtres à faire. Qui était effectivement excessivement crade. Hop. On va faire la même chose ici. Alors j'espère que le contrat, j'ai pas vu encore le prix hein, depuis qu'on a commencé, mais j'espère qu'il va être un petit peu plus juteux que les autres celui-là. Parce qu'on aura quand même évacué pas mal. On est à 3800. Ouais, super. Ça valait vraiment le coup. Alors du coup là on va aller acheter notre radiateur comme d'habitude. Et ça sera normalement le dernier équipement qu'on a acheté ici. Hop. Hop. Et bah voilà. Il nous manque encore des choses. Que là on n'est pas totalement à fond. Alors normalement j'avais fait toutes les pièces sauf une, hein. Voilà, hop. Ouais, là ça va être un méga épisode les amis,
J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ces aventures de rénovateur vous plaisent. On va faire des trucs un peu plus sympas dans les prochains épisodes, bien sûr, hein, comme d'habitude. Là, c'est la mise en place de notre petite société, donc forcément, ça prend un petit peu de temps. Et puis, il faut rentabiliser un petit peu. Pour le moment, on n'a aucun frais, à part les achats, qu'on nous demande à faire dans les missions. Et pour le moment, ouais, on n'a pas fait plus de rénovation que ça, donc c'est pas plus mal. Parce que le bureau, moi, quand moi j'ai pris le temps de le refaire, c'est vrai que ça m'a coûté énormément d'argent et du coup, je pouvais plus. Enfin, je pouvais plus. Je pouvais toujours acheter une maison, hein, c'est pas le problème. Mais j'aurais pas eu autant d'argent que là, on va avoir du coup. Et il nous reste le nettoyage des fenêtres et on aura fini. Hop. La dernière. Et bah c'est qu'il y en aura eu à faire quand même, hein, des petites choses pour cette maison. Hein. C'est un contrat qui prend quand même relativement énormément de temps. Eh bien, il nous manque encore une tâche. Quelle est-elle? Je ne sais plus. Nettoyer les selles. Ah d'accord, c'était juste ça. Et bien voilà, on va se retourner dans notre petit chez-soi. Et bien écoutez, j'espère comme d'habitude que ce petit let's play vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à émettre un commentaire si vous avez des petites remarques ou des suggestions à me faire. Et à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui me fait le plus de plaisir et ce qui me permet de voir votre soutien. Je vous remercie et bah on se retrouve très rapidement pour la suite de notre let's play sur House Flipper. C'était Phoenix, ciao ciao!